et tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube si toi aussi tu vas avoir tous ces bugs gratuitement à ta place, je prendrai vraiment pas de risques. Mais juste avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux à des abonnés. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu likes cette vidéo. Et bien sûr, il va falloir mettre ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance, allez, bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je vais vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale simplement pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait vraiment super plaisir, et de lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Et bien évidemment, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore faites, je vous invite à vous rendre dans la boutique d'objets, de faire la case de donner un créateur et de rentrer mon code créateur FintexBE en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose, et vous acceptez. Cela fait vraiment super plaisir à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite, comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on va simplement essayer un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale pour obtenir le tout nouveau pack Jugement Ultime au prix de 2000 V-Bucks. Du coup, on va simplement voir ce qu'il possède dans le pack. Du coup, on a simplement le premier skin, le fantoche, avec son accessoire le fanto Auchon. Ici on a le skin Funest qui est assez pas mal, un petit style Halloween comme ça. Et du coup on a son accessoire de deux, le Unchini Funest. Pour moi le plus beau skin c'est celui-là, il est vraiment super stylé. Du coup voilà, on peut offrir à des cadeaux, du coup c'est pas ça ce qui nous intéresse. Du coup allez, coûte un 2000 V-Bucks, on va tout simplement l'obtenir gratuitement aujourd'hui. Du coup tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez partir dans la boutique, là vous allez faire soutenir un créateur et vous allez rentrer mon code créateur FintexBE dans la boutique Fortnite. Après avoir fait ça, ce que vous allez faire, vous allez partir dans jouer, là vous allez partir dans paramètres, vous allez partir ici sur la petite tête, là vous allez faire partir dans la quête d'opinion, vous allez vous mettre sur nom, c'est super important, là vous allez faire le bouton retour. Là vous allez cliquer sur la case de V-Bucks, vous allez acheter 20 euros de V-Bucks pour 2800, là vous allez faire acheter. Et alors simplement l'écran de paiement, là vous avez juste à faire la case de retour, ça va être pour vous remettre sur 5000 V-Bucks. Après là ce que vous allez faire, vous allez repartir dans la boutique d'objets, vous allez descendre tout en bas, là vous allez faire acheter le pack, vous allez, ça va être simplement écrire obtenir des V-Bucks. Là vous allez cliquer dessus, ce que vous allez faire après, là vous allez partir à l'accueil, vous allez faire signalement et retour. Là, vous allez faire signaler un bug, vous allez descendre tout en bas, boutique casier, vous allez encore descendre tout en bas, des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez cliquer dessus, vous allez encore cliquer une fois dessus, là vous allez faire continuer, vous avez prêt à signaler un bug relatif à ici, du coup les récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez faire accepter, vous allez attendre envoi du signalement. Voilà, merci, là vous allez juste à faire la case fermée. Ce que vous allez faire après, vous allez partir dans vos paramètres, dans la quête d'opinion, là vous allez vous mettre sur oui, vous allez appliquer, vous allez faire le bouton retour. Ce que vous allez faire après, vous allez partir dans la boutique d'objets, vous allez encore cliquer sur le pack, là vous allez faire inspecter les objets, et là vous allez simplement cliquer plusieurs fois sur le skin. Du coup après avoir cliqué plusieurs fois sur le skin, ce que vous allez faire, vous allez juste à revenir au lobby, là vous allez faire choisir le mode de jeu, c'est super important. Là vous allez cliquer sur le mode de Battle Royale. Vous allez attendre le chargement. Une fois venu sur le chargement, vous allez retourner dans la boutique d'objets. Vous allez faire soutenir un créateur. Et là vous allez rentrer le code créateur FintexBE dans la boutique Fortnite. Là vous allez accepter, bien sûr c'est pas obligé. Vous allez descendre tout en bas. Là vous allez partir sur le pack Jugement Ultime. Là vous allez faire un cadeau. Là vous allez vous sélectionner vous. Là vous allez faire continuer. Là vous allez sélectionner un cadeau. Du coup après là vous allez simplement faire un reproche sur le skin. Là vous allez faire envoyer, ça va simplement écrire oups désolé, vous n'avez pas suffisamment de fonds pour offrir cet objet. Là vous allez faire le bouton retour. Simplement en fait on vient d'envoyer un message à Epic Games comme quoi on avait acheté un pack, mais le pack il est pas là. Du coup ce que vous allez faire après là, vous allez juste à partir dans choisir le mode de jeu, vous allez cliquer sur le mode Battle Royale. Et simplement on va attendre le chargement. Et simplement, on va simplement d'obtenir le tout nouveau pack Jugement Ultime gratuitement sur Fortnite Battle Royale. On espère vraiment que cette vidéo de glitch vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. C'était Fintex. Allez, ciao tout le monde.